Que je vous fasse un petit vlog de mon lit. Il y a du monde partout. Comme c'est impossible de faire un vlog. Puis là, ben c'est un peu spécial. Là. Je vous fais le vlog à la fin du vidéo parce que pour vrai, j'ai couru toute la journée. Genre, je comprends même pas ce qui est arrivé dans ma journée tellement que j'ai couru. Ok, là, genre, je suis partie à 7h le matin. Puis là, je viens de rentrer. Puis il est comme 8h. Ben, j'ai pris ma douche. Fourette. Comme c'était une journée remplie d'imprévus. De ah merde, j'aurais dû faire ça à la place. Pour vrai, là, en tout cas, on va commencer par le début. Fait que là, premièrement, j'étais supposée prendre un train de Bath jusqu'à Silbury. Puis de Silbury, prendre un autobus jusqu'à aller à Stonehenge. Il y avait deux trains. Il y en avait un qui partait comme à 6h30 du matin, puis un autre train qui partait genre à 8h30. Mais à partir de Silbury, la première bus était à 10h. Fait que là, je faisais comme ça. Ça donne rien de partir à 6h. Je vais arriver bien trop tôt, ça n'a pas rapport. Fait que j'ai pris le train qui partait à 8h, puis qui était supposé arriver à 9h30 pour prendre l'autobus à 10h pour arriver à Stonehenge à genre 11h. J'arrive à la gare de train. Le train, il retarde, puis il retarde, puis il retarde. Le train a été retardé de 40 minutes, ok? Là. Ça a eu, j'étais tellement fâchée, là, parce que dans toute là, ma journée là, était timée là, quasiment à la minute près, ok? Là, ça avait même pas rapport. 40 minutes, fait que là, tu sais, dans le fond, il a fallu, j'ai pas pu prendre comme le premier autobus pour aller à Stonehenge. Il a fallu que j'attende puis que je prenne la deuxième. Tu sais, j'ai marché un peu dans Silbury, mais c'était, tu sais, je faisais juste attendre la bus, là, c'était juste long. Pour aller à Stonehenge, mais tu sais, le village était vraiment cute, fait que c'était quand même le fun. J'attends l'arrêt de bus pour aller à Stonehenge, je vois que juste l'autobus pour y aller, qui est genre 30 minutes d'autobus, puis revenir, c'est genre 20 pounds, ok? Ça équivaut à genre 30 piastres. Ça n'a même pas rapport, ok? C'est tellement cher, là. Puis là, puis comme l'entrée sur le site est pas inclue, là. Si tu veux rentrer sur le site, c'est genre 40 pounds, ok? Là, c'est genre 60-70 piastres, tout inclus, ok? Là. C'est tellement cher. Mais là, j'ai checké sur Internet, ok? Puis tu peux acheter juste l'autobus pour y aller. Il y a le cercle, là, où est-ce que tu peux, quand tu payes vraiment la grosse affaire, pour aller le plus proche que tu peux, mais tu peux toujours pas toucher aux roches, ok? Fait que t'es comme à 3-4 mètres de l'affaire, là. En tout cas, quand tu payes 70 piastres, tu peux aller autour de ça, mais il y a une trail gratuite qui est genre l'autre côté d'une barrière qui est à côté. T'es genre 1, 2, 3 mètres plus loin que la trail normale, genre. C'est pas à 4 mètres, mais t'es genre à, je sais pas là, 10, 20 mètres là, de l'affaire, là. Tu peux quand même pas prendre les plus belles photos de l'histoire de l'humanité là-bas, fait que comme, tu fais avec ce qu'il y a pis c'est tout, là. Je pense que pour vrai, sont le plus connus parce que sont le plus proches, comme de... Parce qu'en Angleterre, il y a plus de monde, fait qu'il y a plus de monde qui peuvent aller là. T'sais, si tu veux aller au Roche en Écosse, faut que tu prennes le bateau, puis c'est full compliqué, c'est full loin. Fait que je pense que c'est pour ça que Stonehenge est plus connu que le reste, mais comme, c'est un peu surcoté, là. C'est pas autant le fun que les Callanish Standing Stones, là, que ceux-là en Écosse, genre. Les pierres en Écosse, il y avait personne. Tu peux toucher aux pierres, tu peux comme ressentir l'énergie de l'endroit juste à toi. C'était vraiment, vraiment hot.
Là-bas, il y a tellement de monde qu'il faut que tu partages l'énergie avec tout le monde. Fait que c'est pas. Tu sais, t'auras jamais l'endroit juste pour toi, là. Il a fallu, genre, que je cours pour y aller, puis que je cours pour revenir, parce qu'il y a une bus à chaque heure, puis j'allais clairement pas passer 2 heures, là. Genre, ça sert vraiment à rien. Puis, la fois, quand tu payes pas, faut que tu marches 30 minutes sur le sentier gratuit, là, puis que tu reviennes, puis c'est 30 minutes aussi. Fait qu'il a fallu que je fasse un petit jogging, là, pour avoir un petit peu de temps pour prendre des photos, puis tout. Puis quand tu payes, ben t'as une navette là qui fait juste t'amener. Mais comme c'est tellement con là, t'as un autobus de la ville jusqu'à l'entrée des visiteurs, puis de l'entrée des visiteurs jusqu'au site lui-même. Genre c'est tellement stupide là comment c'est fait. Il aurait juste dû faire une navette de la ville jusqu'au site. C'est tout. Fait que pour vrai, Stonehenge 4 sur 10 genre. Fait qu'après ça, je pars de là. J'en vais à Salisbury, qui est la ville. Puis là, je prends un autre autobus pour me rendre à Silbury Hill. Fait que là, ça, c'était toute qu'une histoire aussi. Dans le fond, Silbury Hill, c'est comme un autre endroit un peu mythique, là, dans le fond, là. C'est gros comme une pyramide, pour vrai, là. Comme genre les pyramides en Égypte, là. Ils le comparent à ça, pour vrai. C'est comme un monticule. C'est le vrai nom, là. Dans le fond, en dessous, c'est comme, ça date de 4000 ans, ok, là. C'est comme les gens de la communauté qui ont amené plein d'affaires, plein de roches, plein de trucs pour créer une espèce de pyramide en dessous. Puis comme, c'est énorme, ok, là. Puis c'est comme reconnu pour être un site sacré, genre, là. Parce que c'est vraiment pas normal, cette affaire-là. Puis comme c'est vraiment vieux, puis comme, tu sais, il y a les légendes à propos de ça, des petits trucs bizarres qui se passent là, puis tout. Fait que bref. Puis, tu sais, là-bas, il y avait absolument personne. Mais l'affaire, c'est que le temps que je prenne les bus de Salisbury à Silbury Hill, c'était genre 2h30, 3h de bus, c'était tellement long. Puis là, je voyais le soleil descendre. Puis j'étais arrivée à Silbury pile au coucher du soleil, genre 15 minutes après, il y avait plus de lumière, rien, genre il y aurait pas eu de photo, il y aurait pas eu d'image, rien. La ride de bus pour se rendre jusqu'à Silbury Hill, c'était tellement beau là, comme les maisons là, comme quand je passe à la campagne anglaise là, c'est à ça que je pense, genre comme en même temps, j'étais là vite, waouh, vite. Ce que je voulais arriver avant, attends. Puis là, rendu à Silbury Hill, faut que je marche 20 minutes pour arriver. J'ai mangé une petite pomme, puis après, parce que j'avais faim. Puis après ça, je suis revenue, fait qu'encore 20 minutes, j'ai fait un petit jogging pour pas rater la bus. Puis là, rendu à l'arrêt de bus, je me rends compte que j'ai perdu mon châle. C'est là mon truc gris là, que vous me voyez tout le temps avec ses épaules. Je l'ai oublié là, parce que genre, je l'ai envie pour faire les photos, parce que je trouve ça pas tout le temps beau là. Fait que là, je suis rendue à l'arrêt de bus. La bus, elle arrive dans 5 minutes, ok? J'ai clairement pas le temps là, de retourner puis revenir. Fait que soit genre je prends cette bus là, je laisse mon char là, soit je retourne chercher mon char, puis là il faisait noir comme dans le cul d'un ours, ok là, genre il m'aurait fallu ma flashlight, puis il me restait 5% de batterie sur mon cell, comme il a fallu que je l'abandonne là, il a fallu que je le laisse là, parce que j'aurais pas pu y retourner, puis comme j'avais vraiment besoin de Google Maps pour savoir comme les horaires, puis où prendre les prochaines bus, parce que j'avais genre 2-3 bus à reprendre pour revenir ici à Bath à partir de Silbury Hill. Je vous le dis, là, ma journée, là, c'était tellement stressant, là. J'avais 100 000 bus à prendre. J'ai couru partout pour pas en manquer une. Puis je suis quand même revenue à 8 heures le soir. Comme, vraiment très intense. Mais, je suis quand même contente. C'est quand même cool. Je suis contente de ce que j'ai vu. De voir Stonehenge, puis Sudbury Hill. Pour l'instant, c'est pas mal ça. Je suis crevée. J'ai hâte d'aller me coucher. Puis demain, ben, trip à Cardiff. Mais salut, ciao, ciao!